Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière au Stade de Reims. Un petit point sur le calendrier du coup. Alors, on va affronter aujourd'hui le RC Lens à Bollaert. On va aller à Brest et enfin on recevra Troyes. Sachant que on se quittera ici, ce qui est une petite trêve internationale, je vous reprendrai juste avant le match de Brest. Et on enchaînera avec le match face à Troyes. Bon, le match plus compliqué sur le papier, c'est celui à Lens à l'extérieur. Ensuite, on espère prendre les points à Brest et à la maison contre Troyes. Un petit point sur le classement. Écoutez, on est deuxième. Bon, le PSG, de toute façon, ça c'est inatteignable, hein, ils finiront premier, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que Monaco, ils seront plus solides que nous à terme. Donc, voilà, peut-être qu'on est un peu en sur-régime en ce début de saison. On verra. On verra, on verra. Et continuons les matchs. Hein. De toute façon, pour l'instant, tout va bien. Bon, des contents de mon travail. Un petit tour du côté des finances. Bon, on est un tout petit peu dans le rouge au niveau des salaires. Là, on dépasse, mais bon. On a un solde qui est bon. Voilà. On compte sur la vente de Tassos Donis qui partira normalement si tout va bien cet hiver. On attend l'offre. Denis accepte l'offre en tout cas. Et on va aller jouer face à Lens. Et ben voilà, on en parlait, c'est chose faite. Parfait. Voilà, Denis. Denis qui nous quitte. Denis qui signe à la SSE. Ah, la blessure d'El Bilal Touré. Combien de temps? 6 à 7 semaines. Ça, c'est plus embêtant. Ça, c'est plus embêtant. Et première. Ah, petit rapport sur Truffert. Ah, ça régresse. Davantage de séances de vivacité. Très bien. Mais écoute, tu demandes de retenir de la vivacité, hein. Oh là là, les blessures, ça y est. Ah voilà, le retour de karma. Oh là 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 là. Non. Ça va, Balogun absent un jour, par contre Masson absent 3-6 semaines. Voilà, retour de karma. On disait qu'on était bien, qu'on avait fait un bon début de championnat. Ça va tout de suite être plus compliqué. On va aller checker l'effectif. Donc du coup, El Bilal Touré, on va s'en passer. On va faire jouer. On va remettre Valen Berisha dans le groupe. Tiens, hop. Et Balogun est blessé juste une journée. On va le sortir pour Agbadou. Non, pour 2 semaines, il peut jouer. Il est plus polyvalent. La blessure de Julien Masson, on va le sortir. On va mettre Kassama. Et on va remettre Kajust. Kajust. Voilà. Et en attaque. En attaque. Tac, on est un petit peu embêté. On est un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, soit. Personne qui peut jouer en pointe si on a Royan Ito. Soit on met Ito en pointe. Dans ce cas-là, on va se mettre les balles à droite. Même beaucoup. Même beaucoup à droite. J'aime beaucoup. Voilà. On va partir comme ça. On va partir comme ça. On va faire confiance un peu à nos joueurs. Et c'est parti pour le match au Stade Bollaert. Grosse ambiance garantie. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Francaise sur nous? Condescendante étant sur régime. On a dit ça nous? Non. Non, on n'a pas dit qu'ils étaient en sur régime, non. Eux aussi, nous aussi on est en sur régime de toute façon. Bien, Kajust. Allez, il peut jouer. Ah bien. Van Bergen, Boudbouz, Boukou, Ito.
Oh, allez, on part là-dessus, on va peut-être remettre un petit. Est-ce qu'on remettrait pas Woodface à la place de Gravion? On part comme ça. Matuziwaka juste au milieu. Mbuku, Boudbouz, Van Bergen, Rwania, Ito en pointe. Allez, ils vont lui faire confiance. Il est capable, hein, Ito. Il est capable. Notre crack. Allez, continuez. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais continuez sur notre lancée, hein. Putain, fait des bons matchs, on continue. On continue avec Kalimundo, Saïd, Kakuta. Ah, et encore une équipe à 5 derrière. On joue beaucoup d'équipes à 5 derrière, hein, quand même. C'est un peu la mode en Ligue 1, j'ai l'impression. Bah écoutez, on va partir. Hein, on va faire confiance à notre équipe. Et pour l'instant, pas beaucoup d'occasions. Match très équilibré. Ça a l'air d'être assez fermé. On est bien au moment clé, hein, on sait jamais. Il se passe juste strictement rien. Pas strictement rien. Alors que l'SSE a ouvert le score face à Lyon dans le derby. Denis Bouanga. Oh là là, mais quel match triste. Oh, pas une action. Waouh, c'est rare. Hein. C'est rare. Allez les gars. Bon, après, si on va chercher un point à Lens, franchement, c'est pas mal. Les 12 au centre. Plutôt de la remise pour Faes. Oh, c'est le but. Attention, peut-être hors-jeu. On va regarder ça. Et ça a l'air d'être validé. Ça a l'air d'être validé. Wout Faes de la tête. Let's go! Allez, la vidéo qui démarre bien. Petite remise de Ito au second poteau vers Faes. Et voilà, il a devancé. Il a devancé notre ami Grady. Et ça fait 1-0 pour le Stade de Reims. Allez, on se met bien. Ah, il a juste à tout donner. Faire des changements. Allez, c'est parti. On va redonner un peu de temps de jeu à Valen Berisha qui revient de blessure. On va faire jouer un peu Marshall Munetzi. On va faire sortir Boudbouz pour faire entrer. Attends, on va mettre Mboukou en 10 plutôt. Et à la place de Boudbouz, on va mettre Keba à la droite. Et on va rester là pour l'instant. On a la trêve internationale. Hein. On a la trêve internationale là. Donc voilà, les joueurs qui sont fatigués, c'est pas très grave. On n'a pas de match tout de suite. Ilan Kebal, Berisha, Rwania, Ito, le Krakito. Attention à Sotoka, 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 Sotoka. Ah, Sotoka qui se décale et qui vient nous crucifier. Ah non, dur. On va essayer de se mettre en offensif. On va voir Sotoka pour la fin de match, mais. Ah dur. Ah dur. Ça partait d'une bonne intention. Ça partait d'une bonne intention, la petite balle en profondeur, c'est dommage. Mais ouais, on va pas faire changement, c'est trop tard. Trop tard. Van Bergen a rejoué en plus, mais pas de corner. Bah écoutez, match nul plutôt logique au vu des stats, hein. Il mérite peut-être même un peu plus que nous. Donc on va se contenter du point, c'est pas mal. C'est pas mal, on avait fait un petit peu tourner en plus. On va se contenter du point du match nul et maintenant on va espérer un bon résultat dans nos deux prochains matchs. Le déplacement à Brest et la réception de Troyes. Écoutez, du coup, je vais avancer la trêve internationale et puis on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve pour le match face à Brest. Allez, on est parti. On se déplace donc à Brest. On va faire la gestion de l'équipe pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe donc? Berisha, il est blessé. Pendant un trêve international, forcément. Bon, il lui reste 2 à 7 jours d'absence, donc ça va. On va remettre Balogun. Masson est toujours blessé, mais il sera de retour la semaine prochaine. Matuziwa est blessé, lui, pour allez, 2 bonnes semaines. On va remettre Kuteza. Pento, écoutez, hein, on est un peu embêté. Alors, on va partir sur notre ami Nancy. Masson blessé, Berisha blessé. Ah, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup au milieu de terrain quand même. Bon, écoutez, on va remettre. C'est comme ça. On va essayer de mettre un peu Boudbouz
Meneur de jeu reculé, pourquoi pas. Hop. Est-ce qu'on ne ferait pas confiance à Boudbouze? On va à Brest, on va essayer d'avoir une équipe un peu plus offensive. Allez, partons comme ça, avec Boudbouze en meneur de jeu reculé, au milieu de terrain. Équipe très 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 offensive. Question de travail encore et encore. Attention, c'est une bonne équipe Brest. Et on se retrouve donc à Francis Leblay. On est en bleu. On a remis Juan Ñeito sur le côté. Et il se passe encore pas grand-chose dans notre match. Ça arrive en ce moment, c'est assez fréquent quand même. Pas beaucoup d'actions. Bon, après, on concède vraiment peu d'occasions aussi. Donc, dans l'autre, c'est pas mal. Mais ce serait bien qu'on arrive à s'en procurer quand même régulièrement pour avoir des chances de marquer. Là, c'est vrai que ça fait un peu faible. Pas beaucoup d'actions dans la mi-temps, quoi. Allez, Agoumé, ça joue de la tête. Chardonnay, Brendan Chardonnay avec Mounier. Mounier pour Agoumé. Lucien Agoumé sur le côté droit qui va centrer pour Cardona. Ah là 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 là. Irvine Cardona qui vient nous la mettre directement. On passe en offensive tout de suite. Ah, peut-être qu'on est un peu plus fragile là. C'est vrai que c'est beaucoup de mieux le terrain. On va essayer de réagir. On va essayer de réagir. Allez, le problème commence, hein, le problème de blessure. C'est vrai qu'on a pas mal. Allez, le coup franc qui va être tiré par Cajuste. Quand tu veux, hein, Cairo. Et la parade de Bizot. Parade de Bizot. Corner pour nous. Tiré par Roigna, le crack. Le crack pour Abdelhamid. De Bizot, la parade encore. Et Marseille qui mène 2-0 face à Lorient. Oh Lorient, la saison galère. Oh Lorient, la saison galère. Et ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Ça commence à coincer. Et le stade de Francis Leblay qui est plein à craquer. Hein. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période. On va pas non plus les défoncer. Hein. Ça reste 1-0. On a quand même dominé. On a quand même plus de situations. Là, on va compter sur eux. Il se passe toujours rien. Il se passe toujours rien. Ça commence à m'embêter un petit peu, ça. On va repiquer balle. On va tout casser. Allez. Allez, pourquoi pas. Boudbouze, qui se fait prendre le ballon par Satriano. Satriano. Satriano qui remonte balle au pied. Pour Honora. 1-2. Satriano. Satriano, il va aller centrer. Non, il va remettre à Pierre Gabriel qui centre. Oh, en jeu, Fouquet avait été attentif de toute façon. Et corner. Corner pour nous. Abdelhamid. Abdelhamid sur corner, ça fait plaisir. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Let's go, l'égalisation. Bon, on va se diriger vers un nul encore une fois. Deux matchs nuls à l'extérieur. Après, bon, si on bonifie ça par une victoire à domicile, ça reste ok, mais il y a peut-être moyen de faire mieux. Hein. Peut-être moyen de faire mieux quand on regarde les stats. C'est dommage, un but partout face au Stade Brestois. Ah non, j'avais pas envie de le remplacer, on s'en fout. On va avancer. On va à la réception de 3. Alors là, gros derby. Delamid a fait un bon match. Il a fait un match solide et contribué à la bonne prestation de l'équipe. Bon, on va avancer jusqu'au match de l'Estaque. Bon, en tout cas, de mon côté, moi j'espère que la carrière vous plaît. Encore une fois, hein, si vous avez des idées, des remarques, des commentaires, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein, je regarde tous les commentaires et je vous réponds, il n'y a pas de souci. Peu importe ce que vous avez à dire, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et
Et on va essayer d'être un petit peu plus efficace surtout que les matchs précédents, parce que là on a marqué difficilement. On a marqué difficilement, on va regarder un petit peu l'effectif, qu'est-ce qu'on va mettre? On a des retours de blessure, non. Non, non, non. Berisha demain, Masson dans 2 jours. Bon, pour le prochain match. Ensuite, on aura Bordeaux. Ça va, là, on a encore une trêve en novembre. Pour la prochaine vidéo. Écoutez. Je suis embêté, est-ce que Riyad Boudbouz, c'est vraiment pas son poste, hein? Essayer de partir avec Kassama plutôt et remettre Boudbouz en 10. Remettre Boudbouz en 10. Encore du staff pour l'équipe réserve. Bon, on va partir là-dessus. Ouais, manque de temps de jeu. Bah justement, on leur en donne du temps de jeu. Et donc Kassama qui vient remplacer numériquement Mboukou. Alors on va avoir une équipe un petit peu plus équilibrée peut-être. Peut-être c'est ça qui nous a fait défaut, hein, avec Boudbouz pas du tout habitué à jouer à ce poste-là. Voilà, peut-être une équipe un peu plus équilibrée, avec une assise défensive plus sympa. Encore une équipe à 5 derrière. Avec Motiba et Ripard devant. Il va falloir être attentif. Allez, Van Bergen pour Balogun. Allez, on espère un meilleur match pour finir cette vidéo sur une bonne note. Balogun. Oh, il a suivi Boudbouz, Balogun encore. Plus faire, plus faire, plus faire. Allez, t'en provise et voilà, il perd le ballon. C'est dommage. C'est dommage, grosse occasion, hein. Grosse occasion. Allez, faut pousser, les gars. Faut pousser, Illich avec Tardieu. Chavalerin. L'ancien Rémois, le traître. Motiba, Youssouf Koné. Youssouf Koné, il va centrer en ligne. Transversal sur cette tête et il y a Delahaye qui dégage une espèce de talonnade bizarre. Allez, on nous passe à l'offensive avec Van Bergen qui rentre à l'intérieur, qui a juste en une touche Merito et c'est intercepté par Youssouf Koné. Moulin qui dégage. Allez, faut être à retomber, faut être à retomber les gars. Woodface qui contrôle tranquillement, il a pris le risque, c'est payant. Il y a juste en profondeur pour Balogun, attention à la mésentente peut-être. Et non, c'est dégagé. Par Moulin et Truffert. Allez, faut les asphyxier. Van Bergen a peut-être en jeu. Van Bergen pour Boudbouz. Et but! Ah, l'arbitre ici est en jeu. L'arbitre ici est en jeu, est-ce que c'est sur. Non, on dit que c'est pas. On dit que c'est pas le but. Écoutez, on va voir ça. Et la VAR qui va faire le travail. Et but refusé pour en jeu. Peut-être qu'on va le revoir. Peut-être qu'on va le revoir. Ah oui. Ah, effectivement. Rogne Ito, Abdelhamid de la tête. Oh là là, c'est notre impasse en ce moment. Abdelhamid sur corner. Là, on a déjà beaucoup plus d'action, hein, dans ce match-là. Par un mi-temps qui est plus animé. C'est intéressant. C'est intéressant. Allez, Van Bergen, pour Kajust. Kajust. Truffert, il va centrer peut-être. Non, il va encore se faire prendre le ballon. Oh! Ouais, je pense que. Non, non, je pense que c'est un coup franc. Je pense que c'était en dehors de la surface, mais bon. L'arbitre va vérifier ça. On dit pas non à un péno. Ça nous mettra un petit coup de pouce. Et penalty. Penalty, ça va être tiré par Boudbouz. Allez, Riyad. Allez, Riyad. Allez, nous déçois pas. Nous déçois pas. S'arrêter. Mais qui est-ce qu'on. Oh, le nombre de penalty qu'on rate, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de pénalty qu'on a raté. Enfin, alors, je sais pas. Attends, les tireurs sont bons. Hein, il n'y a pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est un peu embêtant. Il n'y a pas le Merbron qui va ouvrir sur Rupa. On va bien Truffert. Il y a le côté gauche qui marche pas mal en ce début de match. Truffert, un centre de loin. Ito. Oh, Ito, faut être plus tueur. Ito qui fait une petite passe à Moulin. Allez. Je sais pas, ils ont été formés ensemble. Peut-être. Oh, Abdelhamid! L'âme fatale, on en a parlé. Le bon gros coup de caboche de Younis. C'est ça qu'on veut voir.
C'est ça qu'on veut voir au premier poteau, attaquer le ballon bien fort. Milan qui a une bonne note, un bon spectacle pour l'instant. Mais là, il ne peut que s'incliner et 1-0 pour le Stade de Reims. Le glisse à côté. Qui n'a vraiment aucune occasion. Hein. Aucune occasion. On va partir par la deuxième période, encore un corner. Allez, Abdelhamid, c'est pour toi, mon grand. Et la doublée de Younis Abdelhamid, la tour de contrôle. Qui nous fait du bien sur ce match. Oh, qu'est-ce qui nous fait du bien, Younis. On a bien fait de garder. Hein. On a hésité, j'ai hésité quelques secondes hein, au début de la saison. J'ai dit 34 ans quand même, mais bon, qu'est-ce qu'il fait le taf. Jeté de 14, détente verticale 16. Et je pense que on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Attention, motive pas sur le corner. Attention, attention à 3 quand même. Hein. Ils vont pas non plus. Ils vont pas baisser les bras. Boubouz qui rentre dans la surface. Son deuxième poteau. Ito c'est au-dessus. Allez, la tête, c'est pas forcément son atout principal, hein, Juan Ito. Et Boudbouz au coup franc, on connaît sa qualité. C'est tiré direct et c'est passé tout près. C'est passé tout près, on va faire des changements. On va sortir Boudbouz justement, faire entrer beaucoup, lui donner du temps de jeu. On va faire rentrer Kemal. Au but! Au but! Mais non! Mais non! Mais non, le triplé. Ah, cette fois-ci, il a décroisé. Oh, le triplé. Je pense que c'est la première fois sur FM que ça m'arrive. Triplé de tête sur corner. Incroyable. Incroyable. Du coup, triplé de passe ici pour le crack. Hein. Extraordinaire. Extraordinaire, la Yunis Abdelhamid. Waouh. Allez, on va sortir Yenska juste. Un petit bout de se mettre. Allez, peut-être c'est la première fois qu'il va jouer cette saison. Sur le coup franc, tiré par le capitaine Tardieu. Il va rouler, premier côté, il va rouler. Et c'est à côté. C'est à côté. On est bien, on est bien. 83e minute. Et un coup franc pour nous. Un petit coup franc pour aggraver le score. Allez, 3 fois, enfoncer le coup. Attention, Abdelhamid. Oh là là, pour le quadruplé peut-être. C'est juste à côté. Ah, on va peut-être pas les humilier jusqu'au bout. 3. On va pas mettre un quadruplé avec notre défenseur central, ça ferait beaucoup. Là, attention à Tardieu. C'est n'importe quoi. L'attaquant qui n'y a pas cru, il est Bobotiba. Et nous, on joue à la passe à 10 en attendant. Et le stade Auguste Delon qui peut célébrer. Parce que ça sent bon à hein, 85e minute. Attention quand même à la récupération, 3e milieu de terrain. Tardieu, Biancone. Chavalrin. Dingome. Tardieu, Motiba, ça joue pas mal. Ricard vers Walid Elajam. Qui sent pour Motiba. Poteau, je sais pas si Pence la touche ou pas, mais poteau. Attention, oh, l'entrée de Adil Rami. Le blagueur à moustache, Adil Rami. C'est bien les gars, bon boulot. Et je pense qu'on va pouvoir féliciter notre ami Younis Abdelhamid parce qu'il nous a fait une performance mais incroyable. 9,90 de notes. 20 têtes remportées. 20 têtes remportées. Prestation tout simplement exceptionnelle, mais. Allez, vous avez marqué, continuez comme ça, il va tenter de poursuivre sur cette voie, mais. Je me doute que tu vas pas mettre des triplés à tous les matchs, mais écoute, ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Bien. Bah écoutez, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 matchs nuls à l'extérieur, une victoire à domicile. Hein, si on continue sur ce rythme, moi je dis qu'on est pas mal. Au classement, du coup, ça nous fait. Eh ben, on est toujours deuxième. Bon, on a un match d'avance. On va avancer un petit peu pour actualiser ce classement. Allez voir ce qui se passe. Bye. Alors, qu'est-ce qui va sortir comme score? Attention, on va surveiller la prestation de Monaco.
Monaco qui perd, par contre Nice qui gagne, donc Nice nous repasse devant. Rennes qui passe devant Monaco. Donc Rennes a un point, ouais, on est dans le bon wagon, hein. On est dans le wagon de la deuxième à sixième place. De toute façon, Paris va s'échapper tranquillement. Ah, dans le Classico, Paris a battu Marseille. 2 buts à 1, Messi et Ramos. Et pour l'instant, Clermont et Lorient qui ne s'en sortent pas. Hein. Hein, qui viennent gagner un petit point face à Bordeaux. Alors lui, ce serait un joueur qu'il nous faudrait. Hein. Lui, ce serait un joueur, par exemple, m'intéresserait pour remplacer Abdelhamid. D'accord. Lyon Almog. Que pour l'avenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va l'ajouter à la sélection. Hop. Ok. Eh ben écoutez, on va sauvegarder la partie là-dessus. Et puis, bah, j'espère en tout cas que l'épisode vous a plu, que les précédents vous ont plu. Et puis, je vous dis à demain.